Drei sonderbare Wesen sind eines Tages in Frankreich gelandet. Sie wollten wie die Franzosen leben. Das mussten sie mit dem Herzen bezahlen. Odile liebt Roger, den jungen Winzer, der sie bei der Landung begrüßt hatte. Und Adrien liebt die Ministertochter Blanchette. Emile hat gute Freunde auf der Erde zurückgelassen, den pfiffigen Gaston, den unermüdlichen Oscar. Nach aufsehenerregenden Abenteuern, die ganz Frankreich in Atem hielten, sind sie eines Tages wieder gestartet. Sie nahmen Kurs auf Gamma. Für drei von ihnen ist Gamma die Heimat. Für den vierten, den jungen Franzosen Roger, ist die Heimat überall dort, wo seine Odile ist. Für alle anderen Freunde der Gammas war der Weltraum viel zu breit und die Reise viel zu lang. Und Ihnen, meine Damen und Herren, war Ihnen die Reise auch zu lang? Auf dem Stern Gamma. La magie française. Ce n'est pas possible. Il n'y a plus de vin? Mais si, c'est possible. C'est à cause de toi, Émile. Tu bois toujours trop. Moi? Non, c'est toi, Adrien, qui aime trop le vin français. Taisez-vous. Avec vous deux, on arrivera sur Gamma sans une bouteille de vin. Où est Roger? Voilà, c'est Roger qui a bu notre dernière bouteille. Qu'est-ce qu'il y a? Nous n'avons plus de vin. Tu as bu notre dernière bouteille. Vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un secret. De la fumée! Mais non, ce sont des nuages, Roger. Les nuages de Gamma! On approche de Gamma? Mais oui, on approche de Gamma. Tu n'es pas heureux, Roger? Je ne sais pas ce qui m'attend sur votre planète. Il y a des arbres sur Gamma? Mais oui, il y en a beaucoup. Notre civilisation est une civilisation du bois. Nous avons emporté trop de choses. Ah, Gamma! Ah, Gamma! Le bonheur de Gamma! Gamma. Je suis sur Gamma. Moi, un Français, je suis sur Gamma. Je suis le premier Français sur Gamma. Tu es l'ambassadeur de la France sur Gamma. Oh, cet arbre, comme ses fruits sont gros. C'est l'arbre à robe. L'arbre à robe? Oui.
Nous n'avons pas besoin de travailler pour avoir une robe. Il suffit de la cueillir sur l'arbre. C'est l'arbre à lait. C'est vraiment du lait. Voici l'arbre à pain. Et voici l'arbre à surprise. Oh, une flûte. L'arbre à surprise est plein de cadeaux pour les enfants. Mais tout pousse sur Gamma. Oui, mon cher Roger, nous n'avons pas besoin de travailler. Il suffit de cueillir. Qu'est-ce que tu fais, Roger? C'était mon secret. Je veux faire un essai. Je ne comprends pas. Je veux essayer de cultiver la vigne sur Gamma. Peut-être un jour, il y aura du vin sur Gamma. J'aime la langue des Gamma. Ils chantent. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils s'enfuient. Mais pourquoi s'enfuient-ils? Ils s'enfuient à cause de nos vêtements. Nous portons des vêtements français. Et nos cheveux? Oui, nos cheveux sont trop courts. Qu'est-ce qu'il dit? Il rit parce que nous n'avons pas de cheveux. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tes vêtements ne poussent pas sur nos arbres. Maman! Maman! Maman, gagag. Maman, c'est du français. C'est Roger. Il est français. Français? Oui, je suis français. Bonjour, madame. Bonjour, Roger. Bonjour, Roger. Bienvenue sur Gamma. Roger, bienvenue sur Gamma. Tout pousse sur les arbres de Gamma. Alles wächst auf den Gamma-Bäumen. Tout pousse sur les arbres de Gamma. Il y a l'arbre à robe. Es gibt den Kleiderbaum. Il y a l'arbre à robe. Il y a l'arbre à lait. Es gibt den Milchbaum. Il y a l'arbre à lait. Il y a l'arbre à pain. Es gibt den Brotbaum. Il y a l'arbre à pain. Il y a l'arbre à surprise. Es gibt den Baum der Überraschungen. Il y a l'arbre à surprise. Quelle vie facile! Quelle vie merveilleuse! Les gamins n'ont pas besoin de travailler. Il suffit de cueillir. Es genügt zu pflücken. Il suffit de cueillir. Les gamins n'ont pas besoin de travailler. Il suffit de cueillir. Mais il y a une chose qui n'existe pas sur Gamma. Une chose très importante. Il n'y a pas de vin sur Gamma. Il n'y a pas de vin sur Gamma. C'est terrible. Comment peut-on vivre sans vin?
mais Roger vient de Bourgogne. En Bourgogne, il y a un très bon vin. Roger a importé un secret. Il a une idée, un projet. Il veut essayer de cultiver la vigne sur Gamma. Er will versuchen, auf Gamma den Rebstock anzubauen, Weinbau zu treiben. À vous. Il veut essayer de cultiver la vigne sur Gamma. Il veut essayer de cultiver la vigne sur Gamma. Comme cela, peut-être un jour, il y aura du vin sur Gamma. Peut-être un jour, il y aura du vin sur Gamma. Gaga! Qu'est-ce que c'est? Gaga, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une assiette. C'est une assiette! Qu'est-ce que c'est? Ça, maman, c'est une robe. C'est une robe. Elle est belle, la robe. Elle est belle, la robe. Qu'est-ce que c'est? C'est une bouteille. C'est une bouteille. Qu'est-ce que c'est? C'est une assiette. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une robe. Elle est belle, la robe. Qu'est-ce que c'est? C'est une bouteille. Mais ils apprennent très vite. Les habitants de Gamma apprennent très vite le français. Les habitants de Gamma apprennent très vite le français. Maman? Maman? Ma maman est en France. Impossible, maman. La France est trop loin. La France est trop loin. Maman de Roger. Maman de Roger. Maman de Roger. Qui m'appelle? Moi, maman. Roger. C'est toi, Roger? Et où es-tu? Je suis sur Gamma. Je suis bien arrivé. Gamma est très beau. Gamma est très beau. Blanchette. Blanchette, où es-tu? Adrien? Adrien, tu m'appelles? Je suis bien arrivé sur Gamma. Gamma est beau. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? D'où vient cette voix? C'est Adrien, papa. Il est bien arrivé sur Gamma. Bonjour, Blanchette. Bonjour, Adrien. Bonjour, Odile. Bonjour, Émile. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur le ministre. Oscar. Oscar. Qu'est-ce qu'il y a? Qui êtes-vous? Oscar, tu ne reconnais pas ma voix? Émile! C'est la voix d'Émile! Je suis sur Gamma. Sur Gamma? Gamma est très beau. Gamma est très beau. Des Français. Oscar, détective. Le ministre. Blanchette, la fille du ministre. La maman de Roger. Des Français. Oscar. Le ministre. Blanchette. La maman de Roger. Oh, yeah.
préférée de France. Trois fiers gamins. Trois fiers gamins sont revenus de France. Ils sont revenus de la terre. Maintenant, tous les trois sont professeurs de français. Les habitants de Gamma apprennent très vite le français. Oui, les habitants de Gamma apprennent très vite le français. Et vous aussi, chers téléspectateurs, vous avez appris très vite le français, n'est-ce pas? Alors, je vais parler français. Je ne vais parler que français. Je vais vous raconter l'histoire des trois fiers gamins en quelques phrases. Les gamins sont arrivés en France. Les gamins sont arrivés en France. Ils ont trouvé Roger. Ils ont trouvé Roger. Oscar, le détective, a toujours cru aux gamins. Le ministre n'a pas cru aux gamins. Oscar, le détective, a toujours cru aux gamins. Le ministre n'a pas cru aux gamins. On a volé leur sphère, mais les gamins l'ont retrouvée. On a volé leur sphère, mais les gamins l'ont retrouvée. Maintenant, le ministre croit aux gamins. Maintenant, le ministre croit aux gamins. Sa fille Blanchette aime Adrien. Mais Blanchette est restée en France. Sa fille Blanchette aime Adrien. Mais Blanchette est restée en France. Odile aime Roger, l'ambassadeur de France sur Gamma. Odile aime Roger, l'ambassadeur de France sur Gamma. Odile veut épouser Roger. Elle veut être sa femme, mais Roger n'a pas la magie Gamma. Odile veut épouser Roger. Elle veut être sa femme, mais Roger n'a pas la magie Gamma. Comment est-ce qu'il peut épouser Odile? Comment est-ce qu'il peut épouser Odile? Chers téléspectateurs, vous allez voir maintenant la fin de l'histoire des trois fiers Gamma. Je voudrais vous dire merci. Bravo, bon courage et bonne chance. Au revoir. Non, c'est impossible. Si, j'épouserai Roger. Non, c'est impossible. Non, Odile, tu n'épouseras pas Roger. Pourquoi? 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 Dites-nous pourquoi. Allez, dites. Roger n'a pas la magie gamma. C'est vrai. Roger n'a pas la magie gamma. Il ne peut pas disparaître. C'est vrai. Je n'ai pas la magie gamma. Mais je veux épouser Odile. Il n'a pas la magie gamma, mais je l'épouserai. Roger n'a pas la magie gamma. Tu ne peux pas l'épouser. Odile ne peut épouser qu'un homme qui a la magie gamma.
Odile doit épouser un homme qui a la magie gamma. Ils ont disparu. Mais nous sommes toujours là. Mon Odile. Je veux épouser Odile. Je veux la magie gamma. Merde alors. Merde alors. De la magie. Tu as une idée? Non. Les Français n'ont pas de magie. Hélas, non. Regardez cet arbre. Regardez. Je n'ai jamais vu un arbre comme ça. C'est de la magie. C'est de la magie française. C'est ici que tu as fait ton essai. Je ne comprends rien. C'est ici que tu voulais cultiver la vigne. Oui, c'est ici. Et alors ? C'est du vin ? Il est formidable ! C'est le meilleur vin de Bourgogne. Un arbre à vin. C'est de la magie. De la magie française? C'est ça. De la magie française. Elle est bonne, cette boisson. Elle est bonne, elle est bien bonne. Un cadeau de Roger pour notre planète. Cette boisson, est-ce qu'elle a des forces magiques? C'est ça, maman. Roger a de la magie. Maintenant, je suis à Paris. Moi et la Tour Eiffel. C'est de la magie. Moi et l'Arc de Triomphe. C'est de la magie. Maintenant, je suis sur la route. Et maintenant, je suis dans l'avion et je retourne sur Gamma. Et maintenant, je suis de nouveau ici. C'est de la magie. C'est de la magie. Mais ce n'est pas de la magie gamma. C'est de la magie française. C'est de la magie française. Je veux épouser Roger. Est-ce qu'Odile peut épouser Roger? Oui, Roger a de la magie. Odile peut épouser Roger. Et le mariage aura lieu demain. Vive Gamma!
Roger, où es-tu? Ici. Roger peut disparaître? Il a la magie gamma. C'était mon cadeau de mariage. Merci pour votre cadeau. Merci. Je suis petit. Je suis grand. Je suis invisible. Il est petit. Il est grand. Il est invisible. Nous sommes petits. Nous sommes grands. Nous sommes invisibles. Et ma gaga, ma gaga, ma gaga, ma gaga, ma gaga.